Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 15 et la suite. Donc on avait commencé par faire une église, si on peut dire, c'est un bien grand mot pour un bâtiment étonnant. Alors déjà, ils ont commencé à placer du sol, c'est bien. J'ai l'impression qu'il manque pas de matériaux, donc ça c'est plutôt cool. Bon, j'ai deux rebelles maintenant, voilà, Marie et Karl, ils veulent plus écouter. C'est 1 h du matin, ils veulent pas faire dodo. On va avoir des soucis, je pense. Je pense qu'on va avoir des soucis. Peut-être bientôt la fin de la série. Va falloir recommencer. Enfin, la fin de la série, non, mais du moins avec cette colonie. Si les gens meurent, s'ils se rebellent, ça va être compliqué. Alors, c'est quoi vraiment le problème? Très affamé. Ouais, non, mais on a un problème de nourriture. Ouais, bah, il n'y a plus beaucoup de choux, déjà. Ça a été un souci. Ils ne sont pas contents. Je sais bien qu'ils sont pas contents. Ils sont épuisés. Bah, qu'ils aillent dormir. C'est pas de ma faute, moi, si vous vous rebellez. Ils sont insupportables, quand même. J'en ai que deux qui sont sages. Alors, la chèvre, elle dort dans la porte, hein. Pourquoi pas? Alors l'hiver, ça va être embêtant, tu vas faire rentrer le froid, mais bon. Allez, 4 h du matin, on se lève, voilà. Les autres, ils n'ont pas dormi, ils vont être crevés, ils vont rien vouloir foutre de la journée. Ah, Karl a fini par s'endormir. Il a fait la patate, je crois. Par contre, Marie... Bon, Marie, tu nous manqueras pas en cuisine, hein. On va dire ça comme ça. C'est pas très gentil, mais bon. Voilà. Bien, bien, bien. Il reste encore des ressources à ramasser ici, des arbres à couper. Je dois aussi avoir des arbres à couper dans l'autre sens, non? À moins qu'ils y soient allés en premier, parce que des fois ils font pas les choses dans l'ordre où tu leur dis. Voilà. Je ne sais toujours pas où était l'argile sur ce terrain. Je suis perdu. Je suis seul rocheux. Je comprends pas. J'ai perdu l'argile. Est-ce que l'argile disparaît? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait attention s'ils avaient construit le bûcher finalement. Non, ils ont. Alors, il faut... En plus, il faut leur dire. Quantité tout le temps. Alors, quantité, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que c'est la quantité que tu demandes. Bah, là, il y avait un macabée à cramer, hein, clairement. Alors, j'ai un peu peur qu'ils aient pas assez de calcaire quand même. Alors là, je bouchais en prenant de la terre par là. Il me semblait qu'il y avait de l'argile juste à côté de la terre. C'est ça que je comprends pas. Je la berlue ou quoi? Attends, si je prends la pioche, que je dis ici, c'est que de la terre. Hein. On est d'accord. Calcaire, terre, ouais. L'argile, je sais pas où elle est maintenant. Ça, c'est du fer quand c'est bien rouge. Non, mais là, j'ai pas le droit d'y aller, c'est pas chez moi. Non, là, il y a de l'argent, du calcaire. Des fois, tu peux avoir du calcaire et de l'argile, hein, il me semble. Mais là, c'est pas le cas. Gisement de sel, ouais, mais pour l'instant, le sel, je mets un peu. Enfin, voilà, quoi. Ah, mais c'est ça, le calcaire. D'argile, je veux dire. C'est le jaune. Ouais, je le voyais pas. Mais bon. C'était juste pour... Ah, mais ils ont coupé les arbres là. C'est bien. Alors, j'ai toujours Marie rebelle. Toujours des villageois affamés, pas contents. Ben ouais, vous êtes affamés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il n'y a personne qui cuisine aussi. En même temps, il n'y a pas de viande. Il n'y a personne qui chasse. Osmund. Il est censé se chasser aussi quand tout va bien. Attention de ressources, ouais. Il veut construire pour l'instant, c'est cool. Préfère construire. Bah, je comprends, tu préfères construire, mais vous allez avoir le ventre vide. Hein, on va pas venir pleurer après.
Marie a faim. Ah, c'est les plus rebelles. Bah ouais, hein. Ça pour manger, tout va bien. Au niveau des recherches, on en est où? Est-ce que j'ai quelque chose qui se débloque? Pas du tout. Production de glace. La production de glace, ça serait bien pour conserver les aliments. Oh, caravane marchande. Ah non, mais moi c'est un colon que je veux. Peut-être qu'il a des choses à me vendre. Hein. Qu'est-ce qu'il me fallait? Je crois que c'était les carottes, que j'avais fait de la merde avec les carottes. Bon, bah, il est où le marchand? Faut lui laisser le temps d'arriver, je crois. Je crois qu'il va se mettre là. C'est vrai qu'il y a une mini-carte où on verra les villageois, ça serait cool. Bon, Marie, c'est quoi? D'orge, ok. Ah oui, parce que j'avais fait ici champ de betterave, ici champ de carottes. Le problème, c'est que j'ai plus de carottes. Donc j'espère vraiment que le marchand, il va m'apporter des graines de carottes. Parce que sans ça va pas être facile. Elle a quel niveau en jardinage? En botanique? 13. Oh, c'est léger. Il faut qu'elle soit au niveau 25 pour planter les betteraves. Ah! Attends. On va faire pause, parce que sinon c'est ingérable. Tiens, toi t'es le marchand. D'accord. Toi, tu vas parler au marchand. Hop. Allez, va parler au marchand. Sois gentil. Hein? Attends, t'étais pas censé parler au marchand? Non, pas attaquer. Pourquoi attaquer? Troquer. Troc. Va troquer. T'obéis quand tu veux, sinon, hein? Alors, bonnet, j'en veux pas. Chronique, non merci. Cuir. Décoration murale, franchement. Forge de forgeron. Graines de betterave, graines de lin. Et tu vends pas des carottes, monsieur? Manuel, manoir, non. Non, je veux pas vendre mes chèvres. Ah, j'ai un chat qui s'appelle Précieuse. D'accord. D'accord. Table de cartographie. Non, mais je veux pas acheter tout ça, moi. Trousse de soins. Je vais tenter d'acheter des trousses de soins. Non, mais j'aurais vraiment aimé. J'aurais vraiment aimé des carottes, quoi. Enfin, des graines de carottes. Donc, on va acheter des trousses de soins. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se blesser, ces couilles à nous. Du suif. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On va le vendre. Ouais, mais 190, ça va être compliqué, hein. Qu'est-ce que je pourrais vendre de plus? Ça se vend combien une chèvre? Si dans votre colonie, mais je m'en fiche de ça. Mais par contre, oh, ça coûte pas cher. Jeune pain, jeune érable, je peux vendre des trucs comme ça. J'arrive à 190, quoi. Pour qu'ils soient d'accord. De l'herbe, graines d'herbe, graines de graine de betterave. Forge de forgeron. Non, je vais pas vendre ça. Du foin, bah non, j'en ai besoin pour les animaux. Qu'est-ce que je pourrais vendre de plus? Du cuir? C'est tellement cher.
pu vendre plein de cuir. Hein. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils s'en servent pas trop. Ah, je peux plus. Je crois que je vais prendre que des trousses de soins. Non, mais c'est pas évident, en vrai. Moins de cuir. Je m'étonne, d'accord. Bah ouais. Voilà, comme ça. Et c'est tout. Ouais. Ouais, bah d'accord, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont contents. Les animaux, toujours faim. Je suis où là? J'ai tellement tourné ma map que je sais plus où je suis. Voilà. Ils peuvent pas avoir faim, ils ont plein de nourriture dans leur truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de construire? Bon, ça, on n'a toujours pas fait les lits. Pourtant, on a du foin. Ah, c'est peut-être le bois qui manque encore. Bingo. Ah, le foin aussi? Bah, il y en a du foin. Tu te fous de moi? C'était ça. Ça, c'est du foin. Hein. Le bois. Problème, c'est que pendant qu'ils ramassent, ils vont pas faire à manger, quoi. Avec un colon de moins, c'est encore plus pénible. Hein. Oui, Osmund, t'as raison, fais ça. Oh, ça va pas du tout. De ressources, oui. Après, les lits, c'est pas urgent puisque j'en ai un en rab du coup. Puisqu'un colon est mort. Bon, les marchands, vous pouvez partir, hein, j'ai plus besoin de vous, c'est bon. Moi, je voulais des crêtes de carottes, vous en aviez pas. Pas de crêtes de carottes, et ben voilà, partez. Alors, 21h, Karl, il fait dodo. Karl, il a dit, moi je suis fatigué, je dors. Ok, alors qu'avec le temps qu'il fait, il n'arrête pas de pleuvoir. Hein. Vive l'automne. Deux petits chats qui courent dans tous les sens. Allô? Les biquettes qui font dodo. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai qui sont mortes ou quoi? Possible, hein? Bon, ils vont rester chez moi longtemps, hein? Parce que quand même. Tu veux te battre? Se trouve, ils veulent se battre. Pourrait me faire un cadeau, me déposer un poulet ou un bœuf, je sais pas. Mais Osmond, faut aller dormir maintenant. Non mais si tu te fais encore croquer, on fait comment nous? On n'aura plus personne à la colonie. Non, mais le mec, il a décidé de bosser alors qu'il est censé aller dormir.
Ouais, puis après il va me dire, je suis fatigué. Ah ouais, d'accord. C'est bon, il y va. Parce qu'après, moi, je me fâche, hein. Je commence à bien faire. Donc les gens, ils sont chez moi, là. Allez, au lit. Cassez-vous! Il y a des intrus dans ma maison. Non, mais il faut partir maintenant. C'est quoi là? Ah oui, c'est la chèvre que j'ai vendue. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il n'y en a que 5 de chèvres. Parce que j'en ai vendu une. C'est pas grave, elles font des bébés. Voilà. Bon, enfin, ben voilà. Non, pas ben voilà. Ils ont plein de choses à faire. Ils font pas grand-chose, en fait. C'est ça. D'accord. Marie dresse un animal. Alors, c'est un chat. Et non. Raté. Du coup, elle va couper du bois. Parce que couper du bois, au moins, ça sert. Marc, dresser un chat, ça peut être utile. Après, tu lui dis, vas-y, va tuer des souris. Et des rats, parce que mine de rien, il y en a des rats. Ils sont où? Il va plus y avoir de rats. Les chats s'en sont déjà occupés. C'est possible. Oh, il y a un mouton. J'ai pas d'enclos au mouton. Mais voilà, il y a un mouton, mais c'est une fille. Et c'est quand vous donnez le mâle? Alors, ouais, j'ai pas d'enclos à mouton. Et là, je vais vraiment mettre les vaches. Donc, on va faire un bâtiment. On va faire un bâtiment pour les moutons. Parce que j'aime bien les moutons. Alors, les moutons. Une fenêtre, une porte pour les mottes-mottes, pas la petite mottes-mottes, fenêtre en bois, je suis désolée, ils ont pas besoin de fenêtre. Voilà, une porte, ben, du coup c'est la porte de grange qui va bien, hop, voilà, ensuite du grillage, c'est ici. C'est la porte, d'accord. Hop. 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 Voilà. La balise, la balise, la balise. Hop. Et voilà. Je vais leur faire faire tout ça. Hein. Quand ils auront fait tout ça. Je dirais là, c'est pour le motte-motte. Ils m'ont pas dit qu'il y avait un motte-motte qui était arrivé. Ils ont rien dit. Alors, qui c'est qui va s'en occuper? Se divertit, c'est bien. T'as raison, amuse-toi. C'est quelle heure? 13 h. Oh, c'est normal. Alors. Banana est parti. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a du bois ramassé? J'ai pas l'impression qu'il y a du bois ramassé. Ici, ah, ici, il y en a du bois. Donc, il n'y a pas de problème de bois. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème.
J'aimerais quand même qu'il fasse le truc à Moutmout avant. Mais je peux pas, j'ai pas vu de fonctionnalité pour dire fais d'abord le truc et avant l'autre machin. Je l'avais bien dit hein, là, que c'était pour les vaches. Hein. J'avais bien fait les précisions et tout. Ouais. Donc c'est important de regarder de temps en temps parce que. Mais attends, le mouton, il est dans la faune, en fait. Pourquoi il est dans la faune? Foufou. Sauf que si je l'apprivoise, ça va être un animal domestique, c'est ça? Et moi, je veux pas qu'il soit domestique, hein, le mouton. Je veux pas être suivi par un mouton toute la journée, hein. Je les connais pas. Quoique si, en fait, ils sont domestiques. Je comprends pas. Si je l'apprivoise, il devient domestique ou il devient animal de compagnie? Non, je veux pas. Je veux pas un mouton comme animal de compagnie. J'aime bien les moutons, hein, mais un animal de compagnie, non. Une chèvre à la limite. Une chèvre, c'est mignon. Un mouton? Bon, sinon, vous faites quoi? Transport à la réserve, rédaction, récolte de ressources, obtention de ressources. Tac. Oh, c'est quoi qui manque? Ça va être du calcaire, hein. J'arrive pas. Je suis pas assez haute. C'est un problème de calcaire. On va aller récolter du calcaire. Sol rocheux, oui, mais non. Alors, le calcaire, c'est autour du fer en général, quand même. Ça fait blanc, plus blanc. Donc ça, c'est de l'argent. Tiens, ça, c'est du calcaire. Ouais, rien, loup. Et là, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, c'est manque de terre. Ouais, bah, on s'en fiche, là, on va. Ça. Est-ce que j'ai oui, j'ai des montagnes là et tout. On va récolter la terre là. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Oui, on va manquer cruellement de calcaire. D'accord. Eh bien. Ah, oh, bah ça y est. Ah merde, c'est de l'argent. Non, mais c'est du calcaire qu'il nous faut. Oh là là. Comment qu'on va faire? Ah, c'est 22 h, vous allez bientôt aller dormir. Et voilà. Si, il vient chercher le calcaire, oui. C'est pas l'argent quand même que t'es venu chercher, Osmond. Non, il l'amène là. Ah, cool. Oh, il est content. Il va jardiner du coup. Il est content, il va jardiner. Ben allez. Ok, ben dodo. Allez, hop. Karl, fallait dodo. T'es parti. Et ben voilà. Et bien sur ce dodo, on va se laisser. Et je vous dis au prochain épisode. Des bisous.